Je m'appelle Jean. Je vivais une vie bien normale chez mon oncle, ma tante et mon cousin qui me détestaient. Pétunia, frappe-le! Oui, Vernon. Aou! 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 Mais ma vie changea lorsque j'ai reçu ma lettre d'admission à l'école des super-héros. Une lettre? Selon la lettre, chaque personne là-bas avait un pouvoir. Les profs, les élèves, même le concierge a un pouvoir. La seule condition d'admission, c'était que j'en aie un. Première étape quand on arrive dans une nouvelle école, c'est trouver des amis. Ah ah! Salut! Allez, moi c'est Étienne. Hugo. Je m'appelle Kenny. Moi c'est Jean. Jean? Ouais, ok. Ah oh, mince! Mais tu es Jean! Ah ouais, ce que je viens de dire. Mais tu sais pas t'es qui? T'es le seul qui a survécu à... Non, on peut pas prononcer le nom. C'est qui? C'est lui, on peut pas prononcer le nom. Alors, on vient de dire. C'est lui, on peut pas prononcer le nom. Pourquoi on peut pas prononcer son nom, c'est interdit? Mais oui, non, c'est pas compliqué. C'est juste que son nom, il est juste très compliqué. Ouais, c'est genre un mélange arabe et chinois. On peut qu'avec le nom. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que t'es le seul à avoir survécu à lui. Bon, c'est quoi au pouvoir, tout le monde? Ben, moi je vais m'arrêter dans l'eau. C'est la camarade. Ben non, c'est pas utile. C'est bon. Rentrer. En tout cas, moi, j'ai pas aucune idée pour vrai. Je veux dire, chaque fois que je meurs, je ressuscite après. Qu'est-ce que c'est? Ah, Kérick! Il est mort. Bon ben moi ou pas, c'est quand je touche les jambes, ils meurent. Ça peut être utile, mais des fois c'est plat aussi. Qu'est-ce que ça? Ressuscité les amis! Ok, ok. Là c'était comme putain! T'as tué Kenny! Oui, c'est pas sûr. Toi, déjà, c'est quoi ton pouvoir? Ben... Je savais pas que t'allais venir ici avec un pouvoir là, je pensais que j'allais le découvrir ici. Mais si jamais rien passé dans ta vie de spécial. Non. Ok, t'as pas de pouvoir. Si c'est une petite école ici. Va-t'en! Va-t'en! Va jouer sur notre route! Hey, je suis là! Hé, je suis allé! Ben you, Jean. Pourquoi on Ben là, tu peux pas tout le temps tuer des gens de même, là. Par exemple, la chick là-bas, t'as tuerais pas. C'est vrai que je ferais pas mal. Je connais ça. Restitue à... Putain, Jean, Étienne, il est partout ou quoi? Il est en train d'essayer de se cacher la fille. Ah. Ouh, ça fait mal! Aïe, aïe, ça fait mal! Faut avouer quand même que... C'est tout un cruiser, hein, qu'il est... Tiens, tu... Bye, Kenny! Bye! Excellent! Tu vois, moi, je me cote plus de toi! Putain, t'as encore tué Kenny! Il méritait! Il méritait!
toutes. Allô. Donc, comme vous savez, vous y êtes inscrit, donc c'est un cours de défense contre les forces du mal. C'est le bon choix, je crois. Je suis cependant un petit peu étonné, je m'attendais à ce qu'il y ait davantage de participants à son temps. Ouais, ben c'est parce qu'on a un choix entre ça et le cours de cuisine. Ah, d'accord. Donc évidemment, vous avez fait le meilleur choix. Je vous en remercie, bien entendu. Mais en fait, il n'y avait plus de place en cours de cuisine. Déception. Ils ont eu tort, toutes ces personnes qui ne sont pas venues à ce cours. Donc, sachez qu'il n'y a pas de limite au pouvoir des super-héros. Tous les pouvoirs sont importants. Donc, même, par exemple, je ne sais pas si vous avez un crayon. Un crayon avec une mine peut être une arme redoutable. N'en doutez pas. Vous êtes bien d'accord? Oui. Parce que éteindre les autres substances, c'est redoutable. Bon, c'est une excellente question. Disons que mes compétences ne sont pas encore tout à fait parfaites. Ça va être l'exception qui confirme la règle. Cependant, pour tous les autres cas, bien entendu, il y a des solutions efficaces. Bien, nous allons commencer par du concret, du pratique, bien entendu. C'est ça l'objet de ce cours. Donc, nous allons commencer par les combats à mort. Quoi? Les combats à mort? Mais je vais pas mourir, moi! Je veux pas mourir non plus. Je suis encore vierge. T'es encore vierge? Ben ouais. Pas toi? Ouais. Ne vous inquiétez pas. Le super-héros est de votre côté. Sachez que j'ai le pouvoir de ressusciter quiconque est mort dans les 5 minutes. Au-delà de 5 minutes, hélas, mon pouvoir se perd. Mais sinon, n'ayez crainte, je suis là pour vous aider à revivre. Donc maintenant, donc, déplacez les bureaux, s'il vous plaît. Il nous faut de l'espace. Monsieur, est-ce que je peux faire mon combat à mort tout de suite parce que j'ai un truc avec le socio? D'accord. OK, tu vas combattre contre Xine. OK. Je sais que même si j'ai un pouvoir banal, je peux faire du karaté. Ya! OK. Bon, ok, Xine, arrête de gémir comme ça, un peu de tenue quand même. Ok, on va dire Tam contre le roux. Yang n'était que cette sœur orange. Moi j'ai cette sœur verte. Fâche-nous! Aïe, ok. Recule! T'avais dit que c'était cette verte! Wow, il semble que ce soit Tam qui a remporté la partie. Oui? Bonjour, on est vraiment désolé, on est en retard. On était au comité écolo. C'est pas grave, on n'a pas un public extrêmement nombreux, donc vous pouvez bien vous avancer. Salut les filles! Bon, enfin ça va nous changer un peu, le combat avec des filles. Alors ça va être Béatrice contre Audrey. Quoi, mais tu peux pas me battre contre ma BFF? Mais non, tu te trompes, toi, t'es seulement ma BFFFF. C'est Sophie, ma BFFFFF. Quoi? Salope? Ah! J'ai eu ça, des coups de poing, on n'est pas venu pour rien, j'ai eu ça. Attends, faut attendre Kenny. T'as son cours de cuisine. Ah oh, ouais, c'est vrai. Genre, c'est Hey yo les boys, ça va? Ça va tout? Ah man, cours de cuisine, vous c'est genre cours de défense en défense du monde. Ouais, d'ailleurs, moi j'étais avec eux. Ah, j'ai réussi à hacker tout le système de l'école complet. Ah, si mes calculs sont exacts, ça va prendre 2.3 minutes. Vos gueules, j'ai juste retard sur mon devoir de maths à ramener dans 3 mois. J'ai pris 3 mois d'avance, petit nul. Tu es en retard. Ah,
Hey, les gars, je veux dire, je vais t'amener. Ah, peut-être, ça ne me dérange pas si t'as pas de pouvoir, hein. J'ai déjà à côté ici. Mais par contre, je veux dire des gobelets. Non. Ok, c'est pas grave, mais quand tu as quel épisode à Naruto? C'est quoi Naruto? Et toi, ça te dérange pas? Oui, mais là, je dois faire mon devoir. Même les Chinois me rejettent. Le jambon, c'est vraiment un salami. C'est ça, man, tu fais 50 livres, man, au gym, hein. Oh, mais je comprends pas, là, 50 livres de plastique ou de métal, plastique. Bon, mais je comprends plus rien, là, mais... Oh, shit! Quoi, check, check! La blonde est en train de donner un câlin à un autre gars. Ok, bon, ben, bye, à la prochaine. Yo, what the... Yo, Jim, qu'est-ce que tu fais? Tu vois ma blonde? Hey, qu'est-ce que tu fais? Je te vois, man! Je faisais un câlin. Mais c'est mon frère, là! C'est ton frère, c'est un chinois! Ah, il est un vieux gars, tu peux pas faire ça de même, là! Ça va, man? Il semblerait que ce n'est pas une très bonne journée pour Jean. Hey, on voulait t'excuser l'autre jour là, d'avoir niaisé par cet orphelin, on ne savait pas. Là. C'est parce que justement, on en avait parlé avec lui le matin. C'est rare pas gentil. On en avait parlé avec qui? Certainement pas des parents. Ah, excuse-moi. C'est que c'est eux qui nous ont dit dire ça. Certainement pas des parents. Avec qui? Sinon quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le dire à tes parents? Dis something, man. Yeah! Yo, qu'est-ce que tu fais là, G-Man? Ciao, là! Fait que je prends ma blonde! Mais quoi, laisse-toi ton frère, laisse-toi un chinois, là! Non, mais c'est mon meilleur ami! Ouais. Je t'ai oublié. Christelle, tu vois, c'est qui te quitte? Bon, je vais tourner par les potes. Je sais comment trouver des filles. Ouais, ok, comment? On a juste à se trouver des tons. Les filles, elles me passionnent avec tons. Si tu le dis. Ok, fais-moi apparaître une ton. Parce que je fais juste apparaître des râteaux, je te rappelle. Pas, je suis trouvé quelqu'un. Ouais. Et toi? Wow! À vous que ça peut faire apparaître des tons? Non, mais ça va, je fais pas apparaître des tons. C'est viril, mais ça marche. Merci. Écoute ça. C'est beau, hein? C'est pas aussi beau que toi. Passe-toi, hein? Benu, check mon pipe. Benu! Non, pour ça. Ma plume! Ouais! Cette manière, t'avais aucune chance, là. Il y avait des gros pipes. Wow! Aïe, les gars! Comment, qu'est-ce qui se passe ici? Mais pourquoi tu l'as tué? Il avait rien fait pour le faire! Ok, maintenant c'est l'heure des résultats. Pour commencer, Audrey. Excellent comme d'habitude. Bravo. Ensuite, Xing. Pas mal, passable, très bien. Louis,
Est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre vous et le Titanic? Non. Tous les deux, vous coulez. Yo, tu l'as brisé! Oh, excuse-moi, j'ai oublié que tes parents étaient pas là pour t'en acheter un autre. Ah, yes! Rappelle-toi quand on s'est rencontrés. Yo, check me vibes. Wow, sur ton son. Oh yeah. Oh Petit. John. Petit. Oh John. Petit. John. Oh Petit. Oh John. Ainsi, tout est bien qui finit bien. John et Betty ont repris ensemble. Les trois filles sont redevenues BFFFFFF. Et... Ah ouais, non. Jean est toujours aussi rejet. We don't get